Bonsoir à tous. Allez, on m'a demandé Elrond. Je vais vous faire la petite vidéo sur Elrond, tranquillou, le petit suivi, le petit rappel. Voilà pourquoi vous soyez perdus. Donc là, je suis en daily sur Elrond. E-G-L-D face à l'USDT. ATH, plus bas, plus haut, 50%, il est là. Zone premium, zone discount. OK? Ça, on est bien d'accord. On a la zone premium, on a la zone discount. Ensuite, on a eu une hausse bien sûr ici, tac, PSY, boom, BC, ARST, saut. Première partie ici, ça c'était démarrage en janvier 2021, décembre 2020. ATH ici réalisé en avril 2021. On est OK. Ensuite, en avril, chute, chute, chute au plus bas ici en juin 2021, 23 juin. Arrivé ici, là, on a eu une hausse ici, après avoir fait ici une accumulation. SCARSTB, test STB, boom. Le spring n'a pas été fait. Donc, possibilité, bien sûr, qu'il soit en attente ici. Pour nettoyage de zone ici. Donc, je marque cette zone ici. Le prix peut revenir dans cette zone-là. Donc, ensuite, on a une hausse ici avec un price delivery qui était là, ici, qui a cassé la zone ici. Des 50, ce qui nous détermine la zone premium et la zone discount. Nous étions en discount, donc c'était logique de pouvoir acheter. Je vous rappelle. Là, on est en premium, on est rentré en premium, on a fait une incursion premium, retour discount, première incursion premium, discount, premium, discount. Et là, nouvelle ATH, full premium. Donc full premium, ici, on n'achète pas l'actif, on le vend, on ne l'achète pas, on le vend. N'oubliez pas ça. Ensuite, descente en A. B et C. La C est en train de se faire. Donc, on va revenir dans la boîte. OK? La boîte de site. Regardez, je l'ai élargi un petit peu. OK? La boîte. Vous avez tracé ici la boîte. Donc, pour moi, le prix va venir ici dans la boîte. Pourquoi dans la boîte? Pour finir l'UT. Donc, l'UT doit enfoncer ici et venir dans la boîte. J'ai une belle petite zone qui est ici. Je vais déplacer juste mon Fibonacci là pour pas qu'il vous dérange par rapport à ce point bas là. Celui-ci, on va le diminuer un petit peu. Il est un peu trop gros. Voilà, on va faire un peu de la place. Donc celui-ci, regardez, je l'ai pris par rapport à ce point bas, d'accord, qui a été créé ici. Donc le point bas, le point haut, c'est ça mes repères. Bas, haut, low, high. OK, high, high, low, low. Fibo, zone des 50, elle est là. Zone des 50, elle est là. On vient de casser ici la petite zone des 50 par rapport à cette première impulsion. Cette dernière impulsion, excusez-moi. The last extension. Donc, nous avons fait ici une descente ici. Nous avons fait une incursion ici sur la zone ici de la dernière extension en discount. J'attends ici la descente ici sous ce 50 là. Vous voyez ce 50? Ici en discount ici dans la boîte d'acide. OK, qui va nous permettre de faire ici le target de l'UT. Après avoir fait le target de l'UT, on va venir recharger. Possibilité ici, j'ai une zone intéressante là. OK, soit il vient titiller cette zone-là. On a un price delivery qui a été comblé partiellement. Donc, possibilité qu'on comble complètement le price delivery, qu'on rééquilibre un peu cette hausse ici. Je vais vous enlever on va l'enlever pour vous montrer. On va vous montrer, je vais élargir ici. Vous voyez ce price delivery? Voilà, boum. Donc là, il a été hop, rééquilibré, mais pas totalement. D'accord? Donc la zone ici, je vous la montre. Allez, on va la faire comme ça. Voilà, la zone là, le prix doit revenir ici pour rééquilibrer le marché. Voilà, nickel. Donc pour venir rééquilibrer le marché, le prix va revenir dans cette zone là. Ah oui, on m'a demandé de dire les prix. Donc la zone des 50 est à 149 dollars. Donc entre 149, on va aller 137 et 166. Voilà la zone 137, 166. Donc Elrond devait revenir là avant de faire ici soit un test UT, soit un nouvel ATH. Donc un nouvel ATH. Ensuite, j'avais tracé la continuité de tendance par rapport à mon Fibonacci de continuité de tendance, qui me donnait Elrond à 328 dollars, ici au 1,618, et on est parti chercher 1,27, de presque 1,114 pour le UT. Donc, UTAD risque d'aller chercher les 328 dollars. OK?
pour aller finir ici, ça hausse. Et ça fera une vague 1, une vague 2 et une vague 3 avec une correction en 4. Ou bien ça ferait, ouais, ça. Ouais, ça ferait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 ici, excusez-moi, et vague 5 qui nous fera l'UTAD. Et ensuite, suite l'UTAD, on va dire plongeon ici. J'attends Elrond aux 25 dollars. Entre 25, 20, ouais, 25, 26 dollars, allez, 26 et 42. 26 et 42. 26 et 42. Là, je prendrai de Elrond en portefeuille pour aller chercher un prochain cycle de 5 vagues. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo-là. Je vous ai bien expliqué le tout. Ok, donc je pense que je ne peux pas faire mieux que ça. Sauf si une personne qui est capable de faire mieux que moi, eh ben, n'hésitez pas. Je serais même moi très content de voir cette vidéo si une personne arrive à analyser Elrond mieux que moi ou à une autre idée, bien sûr. N'hésitez pas, si vous avez un lien, n'hésitez pas à me le donner. Donc voilà ce que je vois sur Elrond. Ok, un très gros projet, un super fondamental. Moi, j'adore, je kiffe. Ok, Elrond, j'aime bien sa technologie, j'aime bien son fondamental, son projet, l'équipe. Il y a tout un ensemble pour moi qui me convient très bien, que j'aime bien aussi. Donc, j'attends Elrond ici, et là, quand elle va venir avec Titi, là, je vais en prendre le maximum possible. Ok, bien sûr, ici, c'est pour garder en spot, donc ça veut dire c'est pour holder. Ici, pour l'instant, c'est du trading pur, donc je la trade. Je la trade, je la trade, je la trade, je rentre, je sors, je rentre, je sors, je fais mes spots. Voilà, j'accumule ici de l'USDT, comme je vous ai dit. J'accumule l'USDT pour me préparer à ce quand elle vienne ici, à en acheter le maximum possible. Ok? Voilà, sur ce, bien sûr, au meilleur prix. Moi, je travaille l'offre et la demande. L'offre et la demande. Ici, l'offre sera très intéressante, donc la demande sera forte. Donc, je rentrerai dans cette demande. Voilà comment vous devez réfléchir. Offre, demande, premium, discount. Ok, voilà pour Elrond. J'espère que cette vidéo va bien vous éclaircir. J'ai expliqué le plus simplement possible. Ok, pour que vous puissiez, tout le monde puisse comprendre. Donc, préparez-vous. Là, il n'y a que du trading pur à faire. Si vous voulez acheter celle, vous pouvez l'acheter après ici, dans cette zone-là. Hop, allez chercher ici la TH. Donc, ça ferait quoi comme performance? Ça ferait, on a dit, dans les 130 dollars, on va dire, allez, on va arrondir à 130 et on va aller à 300, 328, on va dire, grosso modo, si on va aller chercher ça comme target, ça nous ferait un pourcentage si on prend ici, juste en dessous de cette mèche-là. Et on va chercher là, ouais, ça fera un petit trade de fois 1,4, fois 1,3, on va dire. Vous pouvez doubler votre capital, voire un peu plus. Ok, si vous faites une super entrée. Voilà sur ce pour Elrond, mais le super spot bien sûr, le super spot, il est tout en bas. Si vous prenez par exemple du Elrond ici et il fait un gros cycle, ça va peut aller jusqu'à du x 10, x 15, moi, je dirais même du x 20 si vous rentrez là en bas. Ok, mais bien sûr, on n'y est pas encore. Étape par étape, step by step. Et je vous dis la qualité première d'un trader et en trading, c'est la patience. N'oubliez pas la patience. Développer en vous la patience. Allez, bisous. Salut à tout le monde. Bye bye. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ok. Je vous prépare des petites surprises. Bisous à tous. Ciao, ciao. Et je vous envoie des surprises. Regardez. Je vous fais des beaux petits cadeaux là. Regardez. C'est pas un cadeau cette vidéo. C'est un super cadeau, une super analyse. Ok. Du haut niveau là. Allez, ciao, ciao. On va me dire, ouais, tu te la pètes. Non, je me la pète pas. Je suis juste réaliste. Ça demande énormément de travail. Vous vous rendez pas compte. Trouvez-moi quelqu'un qui est capable de faire ça. J'en connais pas beaucoup. Ok? À part ceux de ma team que je forme, que je accompagne, que je corrige leur graphe. Et mon mentor, je dirais pas mon mentor, je dirais mon coach ami Bad. Oui, lui, il est costaud aussi. Sinon, dans mon entourage, je connais pas énormément de costauds. Ok? Voilà. Bisous à tous. Ciao, ciao.